Alors, quand les œuvres ne marchent pas droit, est une conférence qui va être consacrée à des œuvres qui sont difficilement qualifiables autrement que étranges. Des œuvres qui ne rentrent pas tout à fait dans les cadres, sans jeu de mots. Des œuvres qui ne sont pas nécessairement dans les grandes lignes dominantes de la culture et qui questionnent, qui ont le pouvoir de questionner parce qu'elles représentent des énigmes historiques, mais pourquoi cette œuvre à tel moment, comment a-t-elle été créée, ou aussi elles peuvent questionner sur ce qu'est la pratique artistique d'un individu, par exemple un individu, un artiste, dans sa carrière, dans sa production, va produire le temps d'une série, quelque chose de tout à fait inhabituel dans son œuvre. Voilà, ces œuvres donc nous questionnent. J'exclus du champ de cette réflexion le XXe siècle. Le XXe siècle, c'est les grandes révolutions de l'avant-garde que l'on connaît, c'est l'invention de l'art abstrait en 1910, Marcel Duchamp qui présente un urinoir en 1917. Donc des gestes vraiment extrêmement forts
qui vont finalement poser comme mot d'ordre dans l'art du XXe siècle d'être différent, d'être en rupture, d'être singulier. Donc la singularité, on ne va pas la chercher dans le XXe siècle parce qu'en fait, elle est partout. On va plutôt essayer de la chercher ailleurs à l'époque où elle ne répondait pas à un mot d'ordre, mais où elle était quelque chose de totalement spontané, souvent sans lendemain. Et donc c'est un peu ces œuvres que je vais vous inviter à découvrir, ces œuvres qui sont parfois des œuvres orphelines, mais qui pour autant ont un potentiel historique absolument extraordinaire. Alors on va commencer cette promenade. Dans l'espace, on va être en Ariège, dans le Couserans, c'est-à-dire au pied des Pyrénées. Et dans le temps, on va être au XIIIe siècle. Alors voilà la chapelle du calvaire de Castillon en Couserans. Bon, c'est une très jolie chapelle du XIIIe siècle. Vous le voyez, ce n'est pas une architecture pauvre de montagne. Elle est même plutôt belle, très bel appareillage, des très beaux détails de modernature. Et cette église, évidemment, comme toutes les églises, elle est construite dans un but. Ce but, c'est de faire une célébration. Et donc, à l'intérieur de l'église, il y a toujours un décor. Alors, parfois, ces décors se sont perdus. Ils ont été détruits avec le temps, ou d'un point de vue matériel, ils n'ont pas pu se conserver. Voilà à quoi ressemble un décor typique du XIIIe siècle. C'est-à-dire que l'édifice étant consacré à la célébration de l'Eucharistie, eh bien, l'iconographie, les murs vont raconter le récit biblique. Donc toutes les figures que l'on va trouver en général dans une église reposent sur une base textuelle, bien sûr, la Bible. Donc voilà un décor classique avec le Christ dans une mandorle. Il trône et autour de lui, il y a le symbole des quatre évangélistes, puisqu'il y a quatre évangiles. Autre décor typique dans une petite église du Gers, voilà, c'est toujours au XIIIe siècle, un Christ dans une mandorle, et là, un récit un peu plus développé que celui que l'on vient de voir, avec des apôtres, vous le voyez, qui sont sous la voûte, et sur les murs, il y a tout un registre narratif qui raconte l'histoire de Saint-Laurent. Voilà, très beau programme, couleur absolument magnifique, tout ça, c'est très typique du XIIIe siècle. Mais à Castillon-en-Couserans, à l'occasion de la restauration du retable en 1999, on a trouvé un décor très très étonnant. On a vu tout à l'heure qu'on a des programmes où vraiment la figure du Christ est tout de suite identifiable, où on a des figures humaines qui incarnent le récit de l'histoire chrétienne. Et là, à Castillon-en-Couserans, on a quelque chose de tout à fait différent. Alors j'espère que vous voyez bien. On a trois registres dans l'abside. Le registre central, c'est deux arbres qui sont superposés. Un arbre en bas avec des branches qui fléchissent. Au-dessus, un arbre qui rebourgeonne avec des chèvres, vous voyez, qui sont en train de brouter les branches. Et de part et d'autre, dans les hauteurs, on a deux sirènes bifides, c'est-à-dire des sirènes qui ont deux queues. Et en dessous, vous avez des sortes d'animaux assez velus, comme des lions, comme des loups qui tirent la langue, et on voit la fleur de lys, donc l'emblème de la couronne, qui est de part et d'autre de la zone où se trouve le chien. Voilà, ce qui est très étonnant dans ce décor, c'est qu'on a une iconographie qui n'est pas du tout une iconographie du XIIIe siècle, on a une iconographie résolument chrétienne, puisqu'en fait cet arbre est un arbre de vie, donc c'est un symbole de la résurrection, mais comme vous le voyez, le traitement des figures est extrêmement archaïque, schématique. On reprend des figures que l'on va trouver plutôt dans l'art antique ou dans l'art paléo-chrétien, comme le motif du pan que vous avez sur la photo à droite. Au niveau du traitement des figures, vous le voyez, c'est quelque chose, encore une fois, d'extrêmement étonnant. La notion de modeler n'existe pas. Ce sont des décors qui sont tracés, incisés dans la matière. Les figures sont extrêmement symétriques, schématiques. Vous le voyez, par exemple, dans cette photo de droite, voilà le visage d'une des sirènes. Regardez la main à droite. Donc c'est une main qui est pareillement... En fait, ce n'est plus un art
réaliste, c'est un art complètement schématique. Et à gauche, vous voyez un détail de ces animaux qui sont velus, qui sont des sortes de chiens ou de lions. Je sais pas trop comment interpréter ces animaux. Et au final, nous avons donc une composition complètement différente de ce que nous trouvons au XIIIe siècle. Si vous regardez, par exemple, la figure de droite, vous trouverez beaucoup plus de réminiscences avec, par exemple, des monnaies gauloises, par exemple, ou de la statuaire de cette époque-là, qu'avec l'art médiéval à proprement parler. Alors, pourquoi y a-t-il eu ce décor à Castillon-en-Couserans? Nous n'en savons absolument rien. Nous sommes tout près, c'est-à-dire à peu près une vingtaine de kilomètres de l'évêché, donc Saint-Lizier, qui comporte de très beaux ensembles de peintures murales. Nous sommes à 20 kilomètres de Ourjoux. Donc Ourjoux, c'est un village qui est tout au bout de la vallée et où a été découvert il y a 5 ans ces magnifiques peintures murales romanes cette fois, où vous le voyez, on a un art absolument tout ce qu'il y a de plus beau, même si c'est un coin reculé. Les ateliers circulaient dans ces coins-là. Il y avait suffisamment de moyens pour avoir des commandes de cette qualité-là. Vous voyez, un véritable art de la composition où des figures humaines sont combinées avec des motifs décoratifs, un art de la couleur absolument extraordinaire. Et surtout, ce qui fait défaut au décor de Castillon-en-Couserans, et ce qui fait aussi son côté archaïque, c'est une absence totale de hiérarchie. Vous voyez bien qu'à Ourjoux, il y a une hiérarchie entre les figures ornementales, les figures humaines, les figures symboliques. Ici, à Castillon-en-Couserans, on a un décor entièrement au trait, où toutes les figures sont d'importance égale. Et alors qu'on est au cœur même, dans le cœur même de l'édifice, Le symbole chrétien est quasiment caché. Alors, Castillon-en-Couserans est étonnant, mais n'est pas tout à fait singulier. En fait, on va s'apercevoir qu'il y a comme ça un art médiéval alternatif, je ne sais pas quel mot utiliser, mais c'est-à-dire que si vous ouvrez, par exemple, un livre sur l'art médiéval, je vous mets au défi de trouver cette œuvre-là, même s'il est quand même assez connu, mais vous voyez bien qu'elle ne puise pas véritablement dans les registres de l'art médiéval tel qu'on le connaît. On a encore une fois donc des registres plutôt symboliques, des registres ornementaux à base de roux, de rosaces, de roses. Et un tout petit peu comme à Castillon-en-Couserans, on a une écriture absolument magnifique, prolixe ici, mais sans véritable hiérarchie, une sorte de grouillement comme ça des formes. Alors on trouve ce motif de rosace en fait dans plusieurs édifices, et notamment dans ce décor, donc on est toujours au XIIIe siècle, encore un décor très très étonnant, c'est à Monsonnès, donc dans la Haute-Garonne, dans une vallée pyrénéenne, où on retrouve un petit peu, comme on vient de voir Adi dans la Drôme, tout un décor de voûte, dont la photo de gauche est prise sous la voûte. Donc c'est un système de roses, de rosaces, avec une écriture un petit peu irrégulière, chacune est différente. Alors on comprend bien, hein, si on regarde la travée tout en haut, vous avez le symbole du soleil, et en bas vous avez la lune. Je ne sais pas si vous voyez le croissant de lune tout en bas, au milieu du semis d'étoiles. Donc ces figures de roue sont sans doute associées à une vision du cosmos, de l'espace. Alors ces décors ornementaux ont souvent une grande capacité de nous questionner, on a toujours envie de savoir ce que ça voulait dire. On est très vite tenté, parce que ce ne sont pas des décors figuratifs et narratifs, on est très vite tenté d'y voir de l'ésotérisme, de voir des choses occultes. Je crois que ça, il faut bien sûr l'évacuer. On se trouve dans une église, donc une église, c'est vraiment pas le lieu où il y aurait des hérésies, où il y aurait des évocations de croyances parallèles. Donc c'est que, tout simplement, je pense, ce langage plastique nous parle formellement, mais au niveau des significations, il nous a totalement échappé. Je pense qu'on est resté beaucoup plus proche, peut-être, de ce type de programme iconographique, où vous avez par exemple le nom des saints, vous voyez,
qui est placé à côté des personnages. Vous avez Saint-André, là vous voyez à gauche. En dessous, vous avez les signes du zodiaque qui sont nommés, donc qui évoquent cette perception de l'univers et des constellations. Ici, c'est un registre sur lequel on a encore des réflexes d'identification. Nos représentations, quelque part, sont les mêmes. En revanche, sur ce style de décor, qui pourtant était totalement légitime à l'époque médiévale, puisqu'on les trouve dans des édifices religieux. En revanche, donc pour ces décors, c'est vrai qu'on a malheureusement perdu les clés de lecture. Je pense qu'on aura du mal à les retrouver. Il y aura toujours quelqu'un pour expliquer que dans tel traité, la rosace signifie telle chose ou telle autre. Mais aujourd'hui, il faut bien reconnaître que ces magnifiques décors ne nous sont intelligibles que par fragments. Par exemple, vous avez le symbole du signe du Sagittaire, hein, le centaure que vous avez en haut à gauche. Et pour le reste, je crois qu'il faut s'en tenir à apprécier un petit peu la complexité de cette écriture. Et au-delà de la dimension esthétique, ce qui est intéressant, c'est que à travers des décors comme ça, qui peuvent nous paraître un petit peu minoritaires, comme des îlots d'exception, il y a peut-être en fait une continuité culturelle très très forte qu'on aura du mal à circonscrire. Alors c'est vrai que le Moyen Âge européen est très créatif, il est très fort, il impose des codes, des représentations, etc. Mais en fait, à travers les décors que nous venons de voir, il y a peut-être à la fois à l'œuvre le grand décor à l'antique, comme vous voyez ici ce décor de rose, ce semis de rosace à Ravenne en Italie, donc des décors du 5e siècle, ou même peut-être de façon encore plus, je dirais, du côté d'un héritage enfoui, il y a peut-être aussi un héritage pré-romain, comme vous le voyez ici. Dans ces gravures du dolmen de Loughcrow en Irlande, on a cette écriture un petit peu désordonnée, comme on a vu tout à l'heure sur les décors que je vous ai montrés, avec cette très forte préséance des motifs ornementaux et géométriques sur la représentation humaine. Alors ça, c'est un petit peu, on va dire, pour le volet médiéval. Mais ces œuvres singulières ne sont bien sûr pas du tout circonscrites à l'époque médiévale. On va aussi en trouver à la Renaissance. La Renaissance, pourtant, c'est une époque de diffusion, d'unification, là aussi, des connaissances, du savoir. Et dans une église du Gers, à Loubédate, on va trouver un ensemble peint tout à fait singulier, vraiment unique. Voilà, qui est celui-là. Alors, ce décor est très très étonnant. Évidemment, quand on a découvert ce décor, c'était en 1999, quand l'église a été restaurée, en fait, en grattant, on a découvert, en grattant les enduits, on a découvert ce décor. Je dis on parce qu'à l'époque, je travaillais dans cette région-là. Et là, vous avez un ensemble, une sorte d'enchevêtrement de figures qui, a priori, sont absolument aucun lien entre elles. Qui semble plutôt du ressort du graffiti. Et bon, on se dit, voilà, c'est sans doute quelque chose qui a été mis là par erreur, mais ça n'a pas d'importance. En fait, à y regarder plus près, il n'en est rien. C'est véritablement un décor peint que nous avons là. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment peut-on affirmer que c'est un décor peint, que c'était pas un graffiti? Ben, tout simplement, si vous regardez, ce décor peint, il prend place dans le faux appareil de pierre qui sert de trame de fond. Ça, c'était une sorte de ruse classique dans les décors à cette époque-là, c'est-à-dire que pour cacher que l'édifice n'était pas en belle... Merci beaucoup. Pour cacher que l'édifice n'était pas en bel appareil de pierre, eh bien, on faisait des pierres en trompe-l'œil. Évidemment, ça ne trompe personne, surtout que vous voyez, il y a quand même des coulures de peinture. Et si vous regardez, eh bien, en fait, les figures prennent véritablement place dans cet appareil de pierre, et cet appareil s'interrompt pour laisser la parole à ces figures. Autre indice qui nous fait avoir la certitude que ce décor n'était pas un petit décor comme ça fait à la va-vite, c'est une écriture de consécration. Alors, l'église, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le lieu dans lequel on ne rigole pas avec les représentations, avec les paroles, avec le dogme.
Donc là, vous trouvez une inscription que bon, je me suis fait aider, bien sûr, pour la déchiffrer. C'est une inscription en gascon, extrêmement précieuse parce qu'elle consacre ce décor. Elle nous dit qui l'a offert et surtout en quelle année. C'est 1546. Donc 1546, c'est ben, le roi en France, c'est François Ier. La première Renaissance est passée depuis longtemps, on en est à la seconde Renaissance. Et on voit bien quand on a un décor comme celui-là que, évidemment, on est un peu comme tout à l'heure dans ces décors médiévaux que je vous montrais, on est dans un autre héritage. C'est-à-dire que cet art-là ne fait absolument pas référence à l'Italie, aux canons qui sont élaborés à cette époque-là, mais il parle un peu un autre langage. Et ce langage, en fait, il est légitime, puisqu'on l'a vu, il est consacré par une inscription. Ce langage... alors oui, ici, c'est par comparaison que je vous montrais. Ici, on est dans une petite église des Pyrénées, petite église rurale, donc la paroisse n'a pas d'argent, mais comme vous le savez, il y a toujours eu, selon les époques, une grande importance qui a été portée au décor des édifices publics. Donc, ben, cette petite paroisse des Pyrénées n'avait pas d'argent pour faire un véritable retable en pierre, pour commander des vraies statues polychromes, pour commander des vrais tableaux. Alors, ils ont fait un retable en trompe-l'œil. Donc, c'est une création très secondaire, bien évidemment. Mais ce qui est très intéressant, d'abord, ben, c'est délicieux, c'est charmant. Mais surtout, ça parle le même langage que le grand art. En fait, ils font avec leurs moyens l'imitation des grands retables, dont les canons ont été posés à la Renaissance. À Loubédat, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle un tout autre langage. Ce langage, encore une fois, il était perçu par une communauté, puisqu'il était dans une église, c'était le lieu commun. Ce langage, il était compatible avec la religion, puisque en cas contraire, il n'aurait pas eu droit de citer dans l'église. Et il utilise des moyens figuratifs extrêmement puissants. Déjà, comme on peut le noter, à l'instar de ce qu'on a vu à Castillon-en-Couserans, la couleur n'existe pas, la notion de modeler non plus. C'est vraiment comme une sorte d'art rupestre, on pourrait dire. Alors, il y a une apparence comme ça de spontanéité, peut-être d'agressivité avec cette couleur sang de bœuf, mais bien sûr, toutes ces figures sont très sophistiquées, c'est-à-dire qu'elles répondent et elles illustrent un récit dont on a peut-être perdu certaines clés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, vous avez à gauche, à droite, pardon, cette figure très impressionnante, une sorte de casque comme ça avec des épines. On dirait qu'il est en train de torturer quelqu'un qui est sur un grill. À côté, vous avez une sorte d'outil, une sorte de hache. Vous avez une sorte de cadavre d'oiseau complètement étrange, avec un bec, avec des dents. Et en dessous, vous avez une très belle scène, vous avez un pan absolument immense. On a vu un pan tout à l'heure à Castillon-en-Couserans. Et ce pan s'abreuve à la même écuelle qu'un jeune loup, un animal poilu, comme on a vu tout à l'heure. Donc, c'est difficile un peu de comprendre ce qui est évoqué ici. C'est sans doute, ben, quand on voit dans un édifice religieux un homme qui est attaché sur un grill, c'est sans doute le martyr de Saint-Laurent. Saint-Laurent qui se fait martyriser sur un grill. La personne avec des pics, c'est sans doute le préfet, le dignitaire romain qui a ordonné son supplice. Le pan qui s'abreuve à une même coupe que le jeune loup, c'est peut-être le symbole de la résurrection, puisque c'était un symbole qui était utilisé dès l'ère paléo-chrétienne. Au passage, notez la très grande force plastique de tout cela, c'est-à-dire que c'est fait avec des pinceaux mal dégrossis. Vous avez des coulures, vous voyez, qui n'ont pas été enlevées. Mais il ne faut pas s'y méprendre encore une fois, ce n'est pas une peinture de sauvage, puisqu'elle est consacrée par une écriture, on l'a vu. Et au sein même de la peinture, vous voyez, vous avez une écriture, ici, vous voyez, donc « Dominé », je ne sais plus ce qu'il y a écrit, peut-être qu'un archiviste présent dans la salle pourrait nous aider. Voilà, donc ce décor est vraiment marqué du sceau de la légitimité. Voilà donc un détail de ces figures absolument impressionnantes, c'est comme une sorte d'art rudimentaire. Sur la partie gauche, vous avez cette grande figure, alors je vais revenir à la vue d'ensemble.
Voilà, on va maintenant regarder. Au milieu ici, vous avez, si vous regardez, vous avez une figure qui est en train, Nembe, qui est en train de terrasser un dragon. C'est peut-être Saint-Michel qui est en train de terrasser le dragon. Et là, donc, vous avez cette personne un petit peu géante comme ça, qui porte on dirait qu'elle est velue, que son visage est velu. Il porte une coiffe tout à fait étonnante. Dans sa main, il tient quelque chose, une sorte de boule avec des piquants. Et à droite, vous avez, au milieu de l'image, vous avez une sorte de stèle très étrange avec une croix et superposée des motifs d'oiseaux qui s'abreuvent à une même coupe. Alors voilà, là encore, il faut résister à la tentation de penser que c'est un art improvisé, qui n'a pas d'héritage, puisque ces oiseaux qui boivent à une même coupe, c'est un très vieux symbole chrétien, c'est le symbole de la communauté, c'est le symbole de la résurrection aussi. Donc il apparaît de façon très précoce au 5e siècle, dans les mosaïques de Ravenne, en haut, et il va être décliné tout au long du Moyen-Âge, comme ici au 11e siècle, vous voyez les deux oiseaux qui mangent dans la même coupelle. Donc ça, c'est à la cathédrale Notre-Dame-la-Grande de Poitiers. Voilà. Donc il faut quand même se dire que ces figures ont un héritage, mais que là, nous sommes en 1546. Michel de Montaigne est certes un jeune adolescent, mais il existe déjà. On connaît à quel point sa philosophie sera loin de ce genre d'image comme ça, un petit peu forte, un petit peu tellurique. Et voilà, donc à nouveau, une sorte de voyage un petit peu inédit dans le temps. Alors on a la chance d'avoir découvert ce décor. Peut-être qu'il y a quelques années, on aurait porté un jugement négatif. Je dis quelques années, il y a peut-être 50 ans, 60 ans. Évidemment, quand on a découvert ce décor, on s'est empressé de le protéger au titre des monuments historiques, puisque même si nous n'en comprenons pas tous les ressorts, c'est évident que pour illustrer ce qu'a été la production culturelle, intellectuelle à la Renaissance, ce type d'œuvre totalement unique doit être intégré dans le corpus des œuvres à étudier. Et je vais peut-être laisser la parole à Serge avant d'entamer le second chapitre qui s'appelle Écart.
Thank you.
Alors après ce rapide survol et cette rapide évocation des œuvres qui apparaissent un petit peu comme des lignes de culture un petit peu parallèles à celles que l'on connaît des époques que l'on a évoquées, on va évoquer une autre figure de l'art étrange, je ne sais pas comment dire autrement. Ce sont des productions qui, dans la vie de certains artistes, vont prendre une forme tout à fait originale. On pourrait parler, au sens étymologique du terme, d'aberration. Ça veut dire des œuvres qui marchent, qui sont très à l'écart des autres œuvres. Alors on peut commencer cette évocation, qui bien sûr n'est absolument pas exhaustive, mais là qui procède plus du plaisir de montrer des œuvres toujours aussi saisissantes, avec les fameuses figures de François-Xavier Messerschmitt, que vous connaissez peut-être. Donc François-Xavier Messerschmitt est un sculpteur autrichien. Très jeune, il est très doué, il est très vite remarqué. Ça devient un sculpteur à la cour de Vienne. Là, vous voyez, donc, il fait le portrait de tous les monarques, notamment ici, Marie-Thérèse d'Autriche, donc archiduchesse d'Autriche, mère de Marie-Antoinette. Et on voit déjà dans ce portrait que fait Messerschmitt, à la fois une très grande virtuosité et à la fois un sens, bien sûr, de la convenance, puisque c'est le portrait d'une archiduchesse. C'est aussi l'époque du néoclassicisme, dans les années 1760. Donc, vous voyez, à la fois se dégagent des notions de canon, de symétrie, de régularité, qui sont la marque du classicisme, mais avec toujours cette grande habileté qu'avait François-Xavier Messerschmitt. En fait, cet artiste, en 1769 à peu près, enfin, c'est difficile de le dater avec certitude, mais il va y avoir un peu un tournant dans sa vie, à la fois un tournant comportemental, qui fait que son comportement change un peu. Du coup, il a moins de commandes. Donc il rentre un peu dans une phase très particulière de sa vie d'artiste. Il était promis à une carrière très prometteuse. Il était jeune, il avait 33 ans à cette époque-là. Il était professeur à l'Académie royale de Vienne. Donc voilà. Mais bon, voilà, la vie n'est jamais simple. Donc il subit un peu une sorte de changement dans le tempérament. Et là, il va se mettre à travailler à une série qui est restée fameuse au point d'éclipser tout ce qu'il a fait par ailleurs, qui est sa fameuse série des têtes de caractère. Dans cette série, déjà, la technique est très intéressante. Ce sont soit des sculptures en albâtre, comme ici, soit ce sont des fontes avec dans un alliage de plomb et d'étain. À travers cette série, en fait, Messerschmitt va tout simplement explorer de façon extrêmement radicale l'univers de l'expression aux confins, vous le voyez, de l'irréel. Voici donc deux autres têtes qui ont toutes à peu près la même contrainte technique, c'est-à-dire que c'est la tête, le haut des épaules et puis le milieu de la poitrine. Et il y a une sorte à la fois de vérisme anatomique totalement stupéfiant et à la fois aussi une certaine irréalité. Alors ces figures sont assez extraordinaires. Je crois que vous le ressentez dans les photos, c'est que elles sont extraordinairement photogéniques. Et alors c'est tout bête, mais c'est sans doute la première fois dans l'histoire de l'art qu'un artiste s'est affronté de façon systématique à l'univers de l'expression faciale et de la grimace. Alors, il y a quelque chose qui est très fort dans cette série. Je vous l'ai dit, ça correspond au moment où Messerschmitt traverse une période très très sombre, et il va mourir d'ailleurs assez jeune. Il y a évidemment dans cette série beaucoup plus qu'un sentiment comique, beaucoup plus que de la grimace. Il y a véritablement une expression, je pense, de l'intériorité servie avec une technique absolument époustouflante. Alors, de telles œuvres, donc il a fait 69 têtes en tout.
qui ont d'ailleurs connu un destin assez intéressant, puisque comment elles ont été faites, bon, évidemment, tout le monde le prend pour un fou, on ne fait pas ces choses-là. Une grande partie, 49, je crois, vont être vendues à un cuisinier par le frère de Messerschmitt. Et c'est, je crois, ce cuisinier qui, les premiers, va les faire connaître. Et puis, très vite, il va y avoir quand même une sorte de... Ça va se répandre un petit peu comme une traînée de poudre. Elles vont être reproduites en lithographie jusqu'à devenir des œuvres à la fois totalement célèbres, ultimes. Ce ne sont pas des œuvres qui ont fait école. Ça ne sert à rien de faire ça une fois que lui l'a fait, vu que je pense qu'il a poussé l'exercice à son paroxysme. Alors cette œuvre, elle a cette dimension un petit peu orpheline, et pourtant on peut essayer de la mettre en relation avec, au prix d'un petit voyage dans le temps, avec d'autres œuvres qui ont exploré de façon extrêmement puissante et chargée le domaine de l'expression physique. Vous savez que souvent les canons esthétiques, notamment au Moyen-Âge, à la Renaissance, ont toujours essayé de valoriser la beauté, les proportions, même quand il y avait dans l'iconographie, c'était des personnes qui étaient suppliciées, qui souffraient. Il y a toujours eu une forte attirance pour la représentation de la beauté. En Italie, il va y avoir un mouvement, à la fin de la période gothique, à la fin du XVe siècle, de statues qui vont représenter des expressions humaines de façon extrêmement vériste. Alors, un de ces artistes, par exemple, c'est Guido Mazzoni, dont vous voyez dans le visage de gauche absolument extraordinaire, donc c'est une terre cuite polychrome, où évidemment il y a une sorte de réalisme absolument extraordinaire. Dans la photo de droite, vous avez ici un compianto de Mazzoni. Les compianto, c'est tout simplement des lamentations. Ça va être un genre sculptural qui va être un petit peu à la mode dans le nord de l'Italie à la fin du XVe siècle. Et l'expression la plus sans doute puissante et la plus sidérante, on peut dire, du compianto, c'est celui de Niccolò dell'Arca, qui est conservé à Bologne, qui est quelque chose, pareil, qui est sans équivalent dans la création plastique de cette époque et même bien au-delà. Comme vous voyez dans l'iconographie, donc le Christ est mort et il va aller au tombeau entouré des personnages, des saintes femmes et puis des deux hommes qui vont le porter pour le mettre dans le tombeau. Et si vous regardez cette sculpture, donc de gauche à droite, vous voyez une gradation dans l'expression de la souffrance, à tel point que à la fin de cette figure extraordinaire, cette souffrance, elle se traduit par quelque chose qui, à la différence de Messerschmitt qui travaillait le visage, c'est tout le corps qui est traversé par la souffrance. On a même l'impression que cette expression est sonore. Alors pour bien se rendre compte un petit peu de l'aspect totalement unique de ce groupe, il faut voir ce qu'étaient les mises au tombeau à l'époque. Alors là, je vous ai mis celle de la cathédrale de Narbonne, que vous connaissez peut-être. Donc vous avez une mise au tombeau, donc voilà le Christ dans un linceul. Vous voyez donc Saint Jean, la Vierge, Marie-Madeleine, etc. On sent bien qu'il y a de la douleur, les têtes sont baissées, mais on sent, vous voyez, que les postures sont quand même maîtrisées, qu'il y a une sorte, je dirais, de sens de la pose et presque d'élégance dans la souffrance. Là, comme vous l'avez vu, donc avec Niccolò dell'Arca, avec cette mode des compianto, on a quelque chose, on a un genre qui va permettre d'explorer l'être humain, le corps humain, dans l'expression de la souffrance. Alors voici par exemple des figures de souffrance qui sont dans le compianto de Niccolò dell'Arca. Donc vous avez à gauche et à droite deux typologies du chagrin, on a l'impression. Donc à gauche c'est la Vierge Marie, donc la mère de Jésus, qui est complètement... qui est terrassé, qui est un peu hébété par le chagrin, par la souffrance. Et à droite, vous avez la tenue tout en dignité, mais on sent bien la peine infinie que ressent Saint Jean, même s'il la cache, il tient son visage, les rides sont exprimées de façon extrêmement forte. Et je pense que le clou de ce groupe, c'est bien sûr les deux saintes femmes qui découvrent le Christ mort
et qui vont pousser des hurlements et qui vont exprimer leur effarement. C'est en ce sens que je voulais mettre en relation cette œuvre avec les figures d'expression de Messerschmitt. À cette différence, donc, comme je vous le disais, c'est que Niccolò Dell'Arca va donc seulement travailler les visages, donc c'est la technique de la terre cuite, hein, de façon absolument magnifique, mais même les corps, vous voyez, donc ce sont des personnages qui sont en mouvement, qui stoppent net, qui se tordent les bras, il y a quelque chose d'absolument magnifique, sans la lourdeur du maniérisme. Voilà, donc une sorte d'œuvre absolument fulgurante, et là encore sans équivalent dans l'histoire de la sculpture occidentale. Alors après cette évocation de ces artistes assez connus que sont Messerschmitt et Niccolò Dell'Arca, je voudrais aussi évoquer notre Jacques Gamelin national ou régional plutôt, que vous connaissez sans doute. Donc Jacques Gamelin, pareil, un artiste à peu près le contemporain de Messerschmitt. Jacques Gamelin, donc un peintre né à Carcassonne, qui va très rapidement être envoyé à Rome parce que ses talents sont reconnus par le baron de Puymorin, qui est un grand mécène toulousain. À Rome, donc, il va connaître une certaine renommée, il va faire partie de l'Académie Saint-Luc, il va décorer un palais vénitien, le palais Rondini. Mais donc voici deux exemples de peintures, enfin une peinture de Jacques Gamelin, donc Jésus parmi les docteurs et le départ de Saint-Louis pour les croisades conservées au musée de Narbonne. Donc Jacques Gamelin vit à Rome, où il côtoie un certain Goya, Francisco Goya. Mais en 1773, il est rappelé à Toulouse parce que son père est mourant. Son père va mourir et il va lui léguer une fortune extrêmement importante. Quand on sait ce que c'est la vie des artistes à cette époque-là, comme ça l'est d'ailleurs toujours aujourd'hui, un héritage, c'est évidemment quelque chose d'inespéré pour un artiste. Il peut peut-être se consacrer à son art de façon rationnelle et voir venir les choses. Eh bien, Jacques Gamelin, donc, il va faire une sorte d'écart, d'aberration qui va lui coûter très cher. Bon, elle va lui coûter de faire sans doute un chef-d'œuvre, ça c'est très bien. Mais pour ce qui est de ses finances et de sa vie matérielle, ça va être une très grande catastrophe. Donc il hérite d'une énorme somme d'argent. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire de cette énorme somme d'argent? Il va faire un nouveau recueil d'ostéologie et de myologie. Ostéologie et myologie, c'est donc l'étude des os et l'étude des muscles. Donc un document qu'il va écrire et qu'il va faire. Deux tomes qu'il va écrire et illustrer. Pour faire ce livre, donc la référence à cette époque-là, à la fin du XVIIIe siècle, puisqu'il a commencé à publier, enfin, il a publié le premier temps en 1779, un des grands traités, c'est celui de André Vézal. Donc un traité du XVIe siècle, et comme vous le voyez dans l'image de droite, souvent dans ces traités, qui étaient illustrés par des artistes, il y avait quand même la volonté toujours de mettre les écorchés, le fruit des dissections, dans des environnements qui sont du ressort de la représentation artistique. Alors c'est vrai que ça fait des figures très savoureuses, très étranges. Vous voyez donc un écorché qui se balade dans un magnifique paysage. Donc Gamelin, tout ça, je sens que c'est un truc qui l'intéresse, mais lui, ce n'est pas illustrer les écrits de notre qu'il veut, c'est faire toute la chaîne. Donc il va obtenir d'ouvrir un atelier de dissection, il va s'adjoindre les conseils de chirurgiens, il va faire lui-même les dissections, il va obtenir de la justice qu'on lui donne le corps des condamnés à mort. Et donc il va travailler, il va recruter deux graveurs qui vont graver les dessins que lui fait d'après nature, avec son inspiration d'artiste. Il dissèque, il nomme les os, les muscles, etc. Et son idée, c'était de faire un progrès dans la connaissance de l'anatomie, des postures corporelles, etc. Mais en fait, dans cette tentative, on voit bien que Gamelin, alors c'est vrai qu'il y a certaines illustrations qui sont très impressionnantes d'ailleurs, qui sont des représentations de corps qu'il vient de disséquer, ou de corps qui ne le sont pas encore et à qui il fait prendre des postures, bon voilà, pour l'étude, des muscles, etc. Mais en fait, Gamelin, dans cet ouvrage, il va surtout donner libre cours
à son imagination un petit peu délirante, il faut bien le dire. Donc, il va verser dans deux genres, et là, qui n'ont vraiment rien à voir avec l'anatomie pure. Il va un peu se prêter au genre de la vanité. La vanité, c'est ce genre au XVIIe siècle qui voulait rappeler aux hommes qu'ils allaient mourir. À tout prix, il fallait rappeler le rhum mélangé, des corbeilles de fruits avec des têtes de mort, par exemple, pour, par une évocation du contraste, faire prendre conscience que voilà, la mort était toute proche. Donc Gamelin va faire des sortes de vanités qui, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui ont quand même un pouvoir ironique, c'est presque de l'humour noir, plus que de la morale stoïcienne, de l'inéluctabilité de la mort. Donc vous voyez un mort qui se réveille, la trompette du jugement dernier, bon, il a la bouche grande ouverte, on a l'impression que ça le fait rire. De même à droite, vous avez une sorte de squelette, vous voyez, qui de façon très ironique nous présente un dessin d'un être humain vivant. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu, je crois que c'était ces excursions dans la composition un petit peu transgressive qui plaisait à Jacques Gamelin. Alors ça, c'est un des aspects des illustrations, mais après, il va faire d'autres illustrations qui, cette fois, sont un peu la préfiguration des films d'horreur et de zombies, puisqu'il va représenter, donc vous avez une magnifique scène, je ne sais pas, champêtre, ou en tout cas de sociabilité, un petit peu aristocratique, avec des jeunes femmes superbes, en perruquées, avec des jeunes hommes qui devaient sans doute leur faire la cour. Et là, vous voyez, il y a des sortes de dalles qui s'ouvrent, et les squelettes viennent chercher les gens pour les engloutir dans le domaine de la mort. Et vous les voyez tous qui arrivent comme ça. On a vraiment l'impression, pour ceux qui connaissent un peu, c'est le scénario typique du film de zombies avec les morts vivants qui viennent chercher les vifs. Autre scène, donc, pareil, une scène pastorale, sans doute, qui devait être agréable, qui se passe dans un jardin, avec des gens qui font la fête. Et on voit, là encore, les squelettes qui viennent chercher les vivants et qui les enterrent. Alors ça, c'est pour l'aspect, on va dire, vous voyez, il y a une sorte de décrescendo social. Là, on est quand même dans l'aristocratie. Là, ici, c'est des gens peut-être un petit peu aisés, puisqu'on voit une belle architecture, etc. Et pour être sûr que la mort n'oublie personne, la dernière illustration, ce sont donc des... Et là, on sent un petit peu la parenté avec Goya. Ce sont des gens qui sont dans une taverne, vous voyez, ils sont un petit peu par terre, ils ont un peu bu, ils jouent aux cartes, etc. Et vous voyez, à droite, il y a quelqu'un qui boit même la bouteille. Et donc là, ici, ce sont les squelettes qui font une irruption pour n'oublier personne. Bon, à part que ceux-là ont l'air moins effrayés que les autres. Alors, donc, Jacques Gamelin, à travers cet ouvrage, bon, c'est un artiste protéiforme, passionnant, Jacques Gamelin. Il a sans doute réalisé son chef-d'œuvre. Il a englouti tout l'héritage de son père. Personne ne lui demandait de faire ça, de faire un recueil d'ostéologie, de myologie. Il a voulu le faire, il a fait cet écart absolument courageux et splendide et qui lui a permis de produire des œuvres absolument extraordinaires. Il a tiré 2000 exemplaires, évidemment, ces 2000 exemplaires ne se sont jamais vendus. Ils ont fini au pilon, ils ont fini dépareillés, les pages arrachées. Et c'est ainsi que s'est finie cette seule entreprise éditoriale de Jacques Gamelin. Et c'est ainsi que s'est achevé l'héritage de son père. Voilà, je ne sais pas si on a encore le temps, je vais peut-être m'arrêter là. Juste pour finir, le contenu de la conférence n'est pas achevé, mais je crois qu'il faut peut-être que je m'arrête là. Je ne sais pas où sont les organisateurs, personne ne répond. Thierry. Donc voilà, peut-être. Je continue un peu. Alors voilà, donc dans les aberrations, je tenais aussi à montrer ce tableau sidérant, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le jockey blessé de Edgar Degas. Donc, tout le monde connaît Edgar Degas, ce peintre absolument virtuose, expert dans les vibrations de lumière, dans l'art du mouvement, dans l'art de la légèreté. Et voilà que donc, à l'âge de 62 ans, Edgar Degas, donc, qui est l'amoureux des belles formes, de la sensualité, il fait ce tableau absolument incroyable, donc d'un jockey qui est tombé. Et si vous regardez dans ce tableau, tout va de travers.
rien n'est véritablement satisfaisant. Et c'est d'autant plus étonnant qu'il s'agit de, évidemment de Edgar Degas. Je peux continuer à parler, Serge? Voilà, donc ça, c'est vraiment un tableau. Alors, pareil, on peut se dire, mais oui, mais peut-être qu'on se trompe sur ses intentions. Peut-être que Edgar Degas a fait ce tableau, mais qu'il ne voulait pas le montrer, que c'est une œuvre très minoritaire, et qu'on fait un contresens en la montrant. Et en fait, il s'avère que non. C'est vrai que pour ce tableau, Edgar Degas a fait des brouillons, par exemple. Des brouillons qui sont beaucoup plus beaux que l'œuvre finale. Et surtout, c'est un tableau de grande dimension, qui fait 1,50 m sur 1 m, qui est conservé au musée de Bâle, je crois. Et alors, c'est vrai que c'est une œuvre où si on cherche les détails, tout est de travers et rien ne fonctionne. Et pourtant, c'est une œuvre, plastiquement, quand on est confronté à cette œuvre, on a un petit peu la même musicalité, j'ai envie de dire, que pas mal de décors que l'on a vu tout à l'heure, il y a quelque chose d'abrupt qui ne ment pas, même si l'œuvre est extrêmement sophistique. Dans les aberrations, je voulais vous montrer aussi René Magritte. Donc René Magritte, c'est ce peintre surréaliste que vous connaissez sans doute, donc peintre absolument magnifique, d'une matière toujours très propre, avec des jeux extrêmement subtils, extrêmement simples, sur le rapport entre l'image, le référent, le texte. Voilà, par exemple, à gauche, il joue avec un portrait de jeune femme de Louis David, et lui remplace la jeune femme par un cercueil. À droite, il fait ce jeu tout simple qui fonctionne toujours aussi bien. Il met une image très simple et un mot qui ne correspond pas. Voilà. René Magritte a été publicitaire, comme vous le savez. C'est un homme qui a été surréaliste. Ça fait partie des premiers surréalistes. Et curieusement, il était très connu, très reconnu. Mais il n'avait jamais fait l'objet d'une exposition personnelle à Paris. Il était belge, René Magritte. En 1948, donc 24 ans après le manifeste surréaliste, c'est quand même un peu long, Paris va lui consacrer une exposition. Paris, quand je dis Paris, c'est une galerie, ce n'est pas un musée public, c'est donc un galeriste, la galerie du Faubourg, qui va inviter René Magritte, dont en 1948, on connaît bien le style, les images, il faut bien le reconnaître, c'était quelqu'un d'un petit peu commercial parfois, René Magritte, et il lui arrivait de faire le même tableau plusieurs fois pour pouvoir le vendre parce qu'il y avait une demande. Et en 1948, pour cette exposition, il va réaliser une série complètement inattendue, qui est une série que l'on a appelée après la période vache. Voilà donc l'affiche de l'exposition, jusque-là tout va bien, on reconnaît Magritte, un petit peu coquin, un petit peu sensuel, tout ça donc c'est bien. Je crois qu'il y a 35 œuvres qui sont produites pour l'exposition. Et là, Magritte, dont on connaît l'aspect propre, la subtilité, le côté impeccable de la mise en scène, il va faire 35 œuvres qui ne ressemblent pas à ce qu'il fait, avec des titres ridicules, lui qui adore les titres extrêmement allégoriques. Et l'iconographie, comme vous le voyez, est totalement étrange. Si on prend le tableau de gauche, qu'est-ce qu'on voit? Si on décrit ce tableau, vous voyez des cerfs, des lapins qui jouent au tambour, à côté d'un gros jambon, tandis que dans le ciel brille un oignon. Voilà. Tout ça servi par une technique horrible, des couleurs qui bavent, il n'y a rien de l'élégance, de l'académisme de Magritte, qu'on adore et qui a fait sa célébrité. Magritte aimait beaucoup jouer avec la beauté des formes, la beauté des femmes, etc. À droite, il fait ce tableau totalement ridicule. C'est-à-dire quelqu'un qui a une tête de cactus et en guise de nez, il a un canon de fusil. Et tout est du même acabit. Donc de la peinture avec qui coule quelque chose de très laid, de très sale, on va dire. Voilà.
Voilà, il adore faire ça dans cette expo, dans les gens qui ont plusieurs nez, plusieurs pipes. Et ce tableau s'appelle d'ailleurs le blessé de guerre. Alors évidemment, ce qui devait arriver arriva. Il a été tout célèbre qu'il était, il a été totalement compris. Il a vendu zéro toile donc pour sa première exposition parisienne, alors qu'il vendait des toiles dans le monde entier. Il s'est amusé comme un petit fou. Et après cette exposition, c'est un homme qui a repris, je dirais, la marche normale des choses et qui est revenu à ses tableaux plus classiques et donc qui n'a jamais plus peint comme il a peint pour cette exposition de 1948. Alors on a toujours envie que les artistes fassent toujours le même style d'œuvre. C'est peut-être plus simple, c'est plus pratique. Et la période vache de Magritte a été exposée pour la première fois dans les années 1994 ou 95, je crois, au musée de Marseille. Donc il a fallu plus de 40 ans après sa première exposition pour qu'on ose enfin se replonger dans ce moment complètement aberrant, mais il faut bien le dire, ô combien joyeux, transgressif, sans doute quelque part beaucoup plus audacieux que ces belles images qui sont des jeux de l'esprit. Là, peut-être que finalement, Magritte est allé un petit peu plus loin. Il n'a pas joué la facilité, mais cette période-là a été dans sa vie la plus féconde, la plus, d'un point de vue artistique, la plus improvisée, dans le bon sens peut-être. Peut-être que Serge est en train de le faire. En fait, je crois que tu as deux parties de plus, c'est ça? Oui, alors je suis désolé parce qu'en fait j'avais fait un exposé beaucoup plus long, mais j'avais sous-estimé la longueur et le temps que ça prendrait. Il y a des choses que je regrette vraiment de ne pas avoir évoquées avec vous, mais ce sera pour une prochaine fois. Ouais. Oui, de toute façon. Le sujet est quand même assez vaste et je crois que j'avais. Je pense qu'on va le faire en deux fois parce que c'est ce qu'on avait prévu. Tout à fait. Maintenant, c'est vrai que le format de ce genre de soirée, c'est de aussi débattre avec vous. Alors. Je pense que ce serait très long la deuxième partie ici. Hein, voilà. Donc on va peut-être rester à ce format-là et on reviendra. Et on reviendra tout à fait.
Et donc, si vous avez des questions à poser, pardon. On revient. Oui, on aimerait bien qu'on ait la suite. Il fait pas... Désolé, parce qu'il ne fait pas très chaud. Mais on reviendra avec un peu plus de... Voilà, en tout cas, merci pour ta chaleur. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc, si vous le souhaitez, vous pouvez... je vais faire passer le micro, si vous avez des questions à poser, à Bertrand. Non, le froid vous a... Oui, en fait, on n'a pas de questions. C'est surtout qu'on est très intéressé d'avoir pu voir ce qui se faisait en dehors des canons. C'est ça. Voilà, parce que effectivement, Magritte, moi, j'ai toujours eu des cours sur lui. J'avais l'impression de bien le connaître. Et là, je viens de découvrir quelque chose de tout à fait étrange dont je n'avais jamais parlé. Donc c'était très intéressant. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir la suite. Je voulais juste dire que le mélange musique et les mots ont fait leur effet sur moi. Mon cerveau a bien fonctionné, je suis très bien. Et d'avoir reçu l'information de M. Ducourau et votre musique, c'était très belle. Je trouve que l'ensemble est magnifique, on a vraiment beaucoup de chance. Merci. Et alors moi, si je puis me permettre de rajouter quelque chose pour les organisateurs que je remercie encore de m'avoir... C'est moins important que ça. C'est quand même que du coup, moi j'ai l'impression de monter sur scène aussi. Le fait d'être avec un musicien, moi aussi je fais un show, voilà, ça me plaît beaucoup. Et dans ce monde des écarts, vous nous montrez un petit peu le parcours des artistes. C'est-à-dire que le créateur échappe au dogme, aux règles, est-ce que la pose de la bourgeoisie, que ce soit du portrait, l'imagerie, voilà, c'est ça, c'est la naissance de l'artiste au 15e, en Italie, au 16e, au 17e. Si vous voulez, il y a toujours eu des artistes un petit peu qui ont été des têtes de proue, par exemple, à cette époque-là, si on pense à Léonard de Vinci, à Raphaël, etc. Tout de suite, tout le monde les identifie comme les artistes qui ouvrent une voie, qui portent très haut l'idéal de l'art. En fait, j'ai plus eu à cœur de vous montrer comment certains artistes, c'est vrai, n'ont pas changé le cours de l'art. Et pourtant, leurs œuvres abordent des continents de la créativité que les grands n'ont jamais abordé. Par exemple... la comparaison n'est pas raison, mais si on compare par exemple Michel-Ange, qui a été un génie absolu bien sûr, mais c'est quelqu'un qui n'est jamais allé, qui n'a jamais abordé la souffrance, l'expression, le tourment, comme des artistes que l'on a vus, Niccolò Dell'Arca par exemple, l'ont fait. C'est des chemins qui sont un petit peu divergents. C'est un peu ça l'idée de montrer que... Et Michel-Ange avait envoyé peindre le pape qui lui avait demandé de repeindre la chapelle et il avait refusé. Il avait dit « Fais d'un monde meilleur et ma peinture sera mieux ». Donc il l'avait fait de façon verbale. Est-ce que certains de ces artistes avait, je repense par exemple à des gens aujourd'hui où notamment beaucoup de ces grands peintres et sculpteurs étaient liés à des soit à des princes, à des cours, etc. Et ces gens moins connus, est-ce que peut-être ils avaient une plus grande liberté du fait d'être moins connus ou pas, ou est-ce que c'est simplement une... Moi je pense pas, justement chaque fois j'ai voulu vous montrer des artistes qui étaient vraiment tout à fait légitimes. Ce sont jamais des artistes maudits. D'accord. Même Gamelin, on sait que Gamelin, il a eu une vie très originale, très rocambolesque on va dire, mais c'est toujours quelqu'un qui a eu des charges importantes. Par exemple, après ses...
après son échec cuisant de ses recueils d'ostéologie et de myologie, il va être nommé directeur de l'école d'art de Montpellier. Donc c'est quand même toujours des artistes qui sont véritablement dans le flux quand même de la commande artistique. Ce ne sont pas des artistes maudits. J'ai justement voulu exclure de ce champ un petit peu de réflexion les artistes maudits qui, par définition, effectivement, eux vont changer l'art avec des pratiques nouvelles, des prises de distance qui vont après infléchir le monde de l'art. Là, en fait, c'est des œuvres qui sont passées inaperçues, mais qui, aujourd'hui, se laissent regarder avec, je pense, beaucoup de plaisir et un grand questionnement. La première image, c'était une vache qui regardait une vache. Pouvez-vous nous dire un mot là-dessus? Alors ça, c'est un artiste américain qui s'appelle Mark Tansey. Comme vous le voyez, c'est une œuvre qui est pleine d'ironie. Alors moi, je pense pas qu'il y ait une signification définitive, mais en fait, c'est un tableau, je crois, qui défend l'idée que si on veut être sûr qu'un tableau qui représente des vaches est un bon tableau, il faut le faire voir par une vache. Voilà. Et à travers les œuvres que je vous ai montrées, c'est justement toute cette distorsion qu'il y avait entre un artiste, le contexte dans lequel les œuvres étaient créées et le public pour lequel ces œuvres étaient créées. Finalement, moi, ce qui me surprend un peu, c'est qu'on s'étonne que des gens soient là, ne soient pas là où on les attend. Est-ce que finalement, si on creuse un peu, parce que là, la particularité, c'est peut-être que ces œuvres-là, on les a sous la main. Mais est-ce que si on regardait pour des tas d'autres artistes, par exemple des peintres, est-ce qu'on ne découvrirait pas aussi, à un moment, ils se sont lâchés, ils ont fait autre chose? C'est-à-dire, est-ce que ce mouvement-là ne pourrait pas être finalement une généralité? Peut-être, mais alors c'est peut-être une généralité. Là, encore une fois, l'idée, c'était pas de poser véritablement des principes définitifs. Quand vous dites, mais en fait, tout créateur, évidemment, fait évoluer, fait changer. Ça, c'est une évidence. J'ai voulu vous montrer des cas où ces changements étaient véritablement des aberrations par rapport au reste de la production. Et dans le cas de Magritte, par exemple, c'est même quelque chose qui a été réversible. C'est-à-dire qu'il a pris une tangente. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui m'a pris, enfin, voilà. Et il est revenu un petit peu dans le droit chemin. Après, je pense que je ne suis pas sûr que ce soit une tendance pour les artistes de faire toujours des choses différentes. J'ai voulu exclure de l'exposé l'art du XXe siècle, où justement, effectivement, il y a peut-être le processus créatif est associé à un processus existentiel, de façon extrêmement manifeste. Là, je me suis cantonné à des œuvres, je dirais, plus anciennes, où la question de l'artiste se posait complètement différemment. Oui, surtout au XIIIe siècle, où la notion d'art n'existe pas telle qu'on la connaît aujourd'hui, finalement, puisque c'est une notion assez récente. Donc c'est vrai que la transgression existe chez certains artistes du XXe siècle, Manet avec le déjeuner sur l'herbe, etc. C'est pas une vraie rupture sur le plan artistique. C'est une transgression qui va amener une grande rupture, c'est sûr, mais c'est pas une rupture en tant que telle. Mais la question au XIIIe siècle, c'est vrai, on peut se poser la question pourquoi il y a eu ce décalage. Ça, c'est assez surprenant par rapport aux autres tendances. Sorbonne, il y avait un courant artistique qui ne suivait pas le bon. Et moi, j'ai pas pu en savoir plus. J'ai fouillé pour trouver. J'ai pas trouvé de dessins ou de choses. Mais je sais plus qui. Je pense que c'est unique qui en parle. Voilà, j'en sais pas plus. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou. Je
chose qui n'avait pas suivi le dogme, sans doute. Alors, là, si on peut reparler rapidement, là, c'est vrai qu'on est loin, en fait, on est dans un petit évêché de l'Ariège. Alors, Thierry, tu dis qu'on est loin. Alors, c'est justement peut-être ça qu'il faut reconsidérer. En fait, ce genre de production dans une église, qui n'est pas une petite église, on le voit bien, hein, ce genre de production, mais finalement, ça doit nous porter à conclure que finalement, on a de l'art médiéval, de l'art gothique, une vision qui est sans doute celle qui était une sorte de ligne, comment dire, une sorte de matrice, effectivement, où il y a des invariants, que ce soit en Angleterre, dans le sud de l'Espagne ou en Italie, on regarde des peintures murales, des sculptures, alors il y a des ateliers différents, mais il n'y a pas véritablement de grandes différences. Il y a vraiment une homogénéisation extrêmement forte, parce que les références sont les mêmes, les structures du pouvoir, les structures mentales sont un peu les mêmes. Mais ce type de décor nous fait comprendre, donc un décor qui était légitime, c'est dans une église, c'est pas dans un atelier d'artiste vu par une personne, c'est fait pour une collectivité. Ça nous pousse à comprendre qu'en fait, il n'y avait pas qu'une seule grande ligne, et qu'à côté des grandes lignes, finalement, il y a toujours des lignes parallèles, qui sont peut-être pas différentes, mais qui sont un petit peu parallèles. Et c'est vrai que celles-là, on peut être laissé un peu moins de traces. Et c'est pour ça que, quand on les voit, elles sont d'autant plus précieuses, et je pense qu'il faut en mesurer tout l'intérêt. Ce serait facile de dire, quand on voit ça, « Oh ben là, mais vraiment, c'est mal fait. Quand on voit ce qu'on peut faire, ça, c'est magnifique. Et ça, ça n'a aucun intérêt. » Tentation, évidemment, là, il n'y a pas de modelé, il n'y a pas de couleur. Il y a quelque chose, une articulation, une écriture assez rudimentaire, mais ce témoignage a une implication pour la compréhension de la société de l'époque qui est très très importante. Voilà, c'est un peu, il y a toujours une culture, une forme un petit peu dominante, et là, visiblement, on est dans une autre forme. La preuve, c'est que personne ne comprend véritablement ce que veut dire ce décor. Ça veut dire que nous avons véritablement perdu les clés de compréhension. Mais est-ce que c'est pas, par exemple, justement, le contre-pied de la magnificence des dorures, et justement, est-ce que c'est pas une volonté, comme par exemple les premiers protestants, ou les cathares, tout à fait, de vraiment dire, nous, on a juste besoin du symbole, et le reste, on s'en fiche. Très bien. Un art parallèle. Et je souscris à votre interprétation, dans la mesure où quand on a découvert ce décor, c'est le premier décor de l'édifice. Donc du coup, il est contemporain de la création, donc c'est un décor du XIIIe siècle. Et ce décor avait juste été recouvert d'un badigeon. On ne l'a jamais enlevé, on n'a jamais fait un décor plus flamboyant par-dessus, on l'a toujours gardé. Preuve qu'effectivement, il y avait peut-être une intention, une expression de la pauvreté, peut-être, enfin, je sais pas, mais effectivement, ce n'est pas par hasard, c'est évident, si on l'a conservé. Est-ce qu'on a retrouvé des contemporains assez similaires dans la région? Non, mais non. Justement, c'est pour ça que je montrais après, ouais. Tu vois, on est à quelques kilomètres là, et regarde, ouais, c'est ça, tout le contraire. Ouais. Là, c'est la technique de la fresque, donc c'est compliqué, il faut des ateliers qui savent travailler ça. C'est un atelier sans doute qui vient de Catalogne, donc là il y a des pigments superbes, voilà. Et des décors comme ça qui ont cette pauvreté manifeste, non, si ce n'est donc celui que j'ai montré qui est à Montsonnès, c'est pas tout près quand même, c'est l'ère pyrénéenne, mais c'est quand même pas tout près. Quand on voit ces œuvres, est-ce que ça veut dire que les historiens de l'art ou les organisateurs de manifestations ont un rôle? Faire connaître ça, une mission? Non, mais je crois que, disons que je crois que, évidemment, enfin, je le sens bien, tout le monde, on est tous séduits par ces témoignages qui sont des témoignages et qui nous questionnent, où est mis en œuvre, alors à la fois des moyennes techniques qui sont un petit peu différents, mais il y a sans doute aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'héritage. C'est-à-dire, quand on voit ça, on sent bien qu'on ne comprend pas, mais on sent que c'est quelque chose qui traîne dans l'histoire depuis très 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 longtemps. On ne se dit pas que c'est un barbouilleur qui est arrivé, qui pour rigoler a fait ça.
on sent bien qu'il y a une charge historique extrêmement profonde, et c'est très intéressant. Justement, c'est la démonstration que les expressions culturelles sont toujours inscrites dans des lignes qui sont des héritages. Ça ne veut pas dire que c'est inscrit dans des déterminismes, bien sûr. Mais il y a toujours des héritages qui sont à l'œuvre, et ils sont... pas faciles nécessairement à cerner, puisque la suite de cette diapositive, c'était justement cet héritage qui est impossible à cerner, mais en tout cas qui a son historicité, c'est-à-dire on est entre l'Antiquité et même la période pré-romaine avec cette écriture, vous voyez, à base de roses, etc. Donc effectivement qu'il faut faire connaître ces manifestations artistiques. Je pense même que c'est un peu le rôle des musées pour ce qui est des œuvres d'art plastique. Trop souvent, les musées, c'est vrai, aiment montrer des belles œuvres. C'est important de montrer des belles œuvres. Mais évidemment, c'est un peu ce que disait Jean Dubuffet dans son livre « Asphyxiante culture ». Il est naïf de croire que c'est en regardant les belles œuvres qu'on fait le tour de la culture. Il y a aussi... les œuvres refusées, les œuvres ratées, qui dans une perspective peut-être pas de délectation, mais dans une perspective d'intérêt pour les productions intellectuelles, peuvent nous apporter énormément de choses. Oui, ça existe pour la musique aussi. Si on pense à Beethoven, par exemple, avec la Grande Fugue, tout le monde connaît les symphonies de Beethoven, mais la Grande Fugue, très peu, elle est jouée peut-être une fois ou deux en France chaque année. Parce que c'est une œuvre qui est plus qu'une œuvre de transgression, c'est une œuvre qui est déjà dans une autre dimension. Alors pourquoi il a fait ça? Alors c'est vrai que dans les arts plastiques, on est un petit peu frileux par rapport aux œuvres qui marchent pas sur les traces du grand art. En littérature, je fais une petite parenthèse, mais je te rejoins tout à fait Thierry un peu dans ce que tu dis. On voit bien qu'il y a un intérêt justement pour les œuvres qui ne sont pas formaté par le monde de l'édition, de la diffusion. Et par exemple, vous avez aux États-Unis la Brautigan Library, ça vient de l'écrivain américain Richard Brautigan, je ne sais pas si vous le connaissez. En fait, c'est une bibliothèque qui est consacrée aux manuscrits refusés. C'est-à-dire que plutôt que l'on trouve toujours des ouvrages qui sont édités, qui sont passés par les fourches codines, etc., des comités de lecture, ben, l'idée, c'était de dire, mais dans ces œuvres refusées, il y a forcément des vies, il y a des saveurs, il y a des choses qui sont complètement connectées à notre époque, mais exprimées sans doute avec des moyens littéraires qui rendent impossible l'édition, mais qui pour autant sont extrêmement intéressants. Donc voilà, donc il y a eu la création, je trouve assez extraordinaire, d'une librairie, d'une bibliothèque consacrée aux manuscrits refusés. Jamais allé, mais fait voilà, il paraît que c'est quand même. On a un petit peu le parallèle, on a eu le parallèle en musique avec le. Alors, notamment, bon, moi je suis un musicien improvisateur, peut-être à la base j'ai commencé, mes parents étaient pas mes musiciens, mais extrêmement mélomanes, j'écoutais beaucoup de musique depuis que j'étais petit, et c'est petit à petit ce qui m'a amené vers le jazz et l'improvisation. Et je me souviens quand j'étais adolescent, moi j'achetais, c'était l'époque où on avait encore des 33 tours. Et puis après sont apparus les CD. Et la capacité de stockage, du minutage sur les CD était plus importante que sur les 33 tours. Et notamment, alors il y avait ça dans le rock, mais surtout dans le jazz, parce qu'en fait ce qui se passe, moi en studio, on improvise beaucoup, on enregistre plusieurs versions, et puis on en choisissait une. Et si vous, après, souvent après la mort des musiciens, alors ça pouvait être... des grands musiciens de l'histoire du jazz comme Charlie Parker, Miles Davis, etc. Il y avait ce qu'on appelait les alternate takes, c'est-à-dire les prises, voilà. Et c'était intéressant de voir pourquoi tel... C'est un petit peu dans la même idée, hein. Alors après, on pouvait... D'ailleurs, j'en ai discuté même avec des producteurs. On pouvait aussi penser la légitimité de ça ou pas. C'est-à-dire que si un musicien avait choisi à l'époque que ça soit ça qui soit sur l'enregistrement, est-ce que de son vivant, il aurait accepté que d'autres prises... Bon, ça, après, c'est... Mais c'est un petit peu, je trouve que c'est un petit peu un parallèle. Et par rapport à ça aussi, alors moi, chaque fois que je suis confronté, que ce soit la peinture, la sculpture, il y a quelque chose, parce que Thierry a parlé de Beethoven, je suis tout à fait d'accord, il y a un autre paramètre qui rentre en jeu dans la musique,
En fait, dans une œuvre d'art plastique, que ce soit de la peinture ou de la sculpture, on a une œuvre terminée, entre guillemets. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est quelque chose qui ne va plus évoluer, c'est une photo. Dans la musique, il y a la notion d'interprétation. Et c'est vrai que jusqu'à... C'est quelque chose dont je parle souvent à mes élèves, d'ailleurs. Bon, je reviens à l'histoire du jazz. Le jazz est né à peu près en même temps que l'enregistrement. Et en fait, c'est pratiquement la première musique. Alors, il y a quelques exemples avant. Hein. Il y avait des rouleaux aussi pour enregistrer. On a des témoignages un petit peu plus anciens. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que l'histoire du jazz est quasiment enregistrée depuis ses débuts. Mais en même temps, dans l'autre, c'est une des premières dans l'histoire de l'humanité de la musique. C'est-à-dire que si vous prenez la musique ancienne, si vous prenez Mozart, Beethoven, on a des traités, mais personne ne peut dire objectivement, je suis sûr qu'à l'époque de Mozart ou à l'époque de Bach, on pouvait jouer comme ça. Et pour revenir à cette idée aussi d'art comme ça, parfois je me dis, tiens, peut-être Bach, quand il improvisait chez lui, il a essayé des trucs, si on avait pu l'enregistrer en train d'improviser, on aurait été vraiment étonnés. Bon, ça on le saura jamais, hein, mais c'est vrai que l'écriture, c'est un codage simplement dans la musique, alors qui peut être plus ou moins précis, mais l'interprétation qui peut être est extrêmement ouverte. Hein, si des gens parmi vous sont des mélomanes, c'est intéressant par exemple de prendre... Vous prenez un prélude de Bach et puis vous écoutez 10 interprétations par 10 très grands pianistes, on peut pas être joué de la même manière, comme on peut avoir la même chose d'ailleurs, même si c'est de la musique écrite. Mais y a toujours ce côté dans l'art plastique de quelque chose de terminé par rapport à nous. C'est vrai que dans la musique, il y a quelque chose de complètement abstrait qui est... Mais disons qu'elle est terminée, l'auteur a terminé l'œuvre. Oui. Mais après, elle n'est jamais regardée de la même façon. Voilà, oui, c'est vrai. Voilà, c'est là où ça se rejoint. Oui, bien sûr. Même on peut reprendre les éléments. Non, mais c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que si vous avez un tableau dans un musée, la Joconde, par exemple, pour prendre quelque chose que tout le monde connaît, bah, la Joconde reste la Joconde. Après, les gens peuvent l'interpréter comme ils veulent. Mais tu comprends bien que la Joconde a été élaborée avec un environnement visuel qui n'existe plus, voilà, qui n'existera jamais plus. Oui. Et elle était regardée il y a 100 ans, comme elle ne le sera jamais plus. Donc je pense qu'à partir du moment où on est dans la perception sensible, il y a toujours une évolution, que ce soit de la musique. Ce que tu as lu il y a 10 ans, si tu le relis, tu vas plus le lire pareil, bien, tu vas mieux comprendre ou tu vas plus comprendre, ben, ça dépend. C'est exactement la même chose. Hein. Bon, nous, on s'est rencontrés tout à l'heure, j'avais pas vu, et puis juste bon, en regardant, etc., la plupart des choses que j'ai faites là sont des choses improvisées. Pour nous, un musicien, c'est pareil. Hein. Il y a la salle, il y a le public qui est là, la manière dont on se sent à ce moment-là. C'est vraiment une idée de... Si on pouvait faire une définition du présent, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est le temps qui défile, maintenant c'est passé. Voilà. Et puis, c'est aussi une sensation, et je pense pour l'artiste en général, c'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un moment où on est totalement libre. Alors il y a des endroits, je repense d'ailleurs, je me disais dans des contextes, il y a une époque où une volonté de liberté, et aujourd'hui encore dans certains endroits, peut mettre en question plein de choses et peut mettre en danger aussi. Nous, heureusement, on n'en est pas du tout là. Et, bon, à une certaine époque, quand on parle par exemple de musique, quand on parlait de la carte augmentée, du triton, qui était l'intervalle du diable. Il y a une époque où des gens pouvaient aller au bûcher pour ça. Hein. Et je me demande sur certains... Bon, là, on était dans des peintures religieuses, mais il y avait problème... Par exemple, je m'étais posé la question, quand on voit des peintures de Bosch, il y a des choses qui paraissent incroyables à l'époque. Quoi. C'est vraiment une espèce de fantasmagorie. Foisonnement... Et c'est vrai que ce sont des époques, quand on relit un peu d'histoire, à l'époque de l'Inquisition, etc., il n'en fallait pas beaucoup parfois pour... quand des gens ont dit la Terre est ronde et pas plate, on remettait en question quand même des vérités, entre guillemets. Des dogmes. Ouais, des dogmes. Je pense que là, par moment, si aujourd'hui, c'est pas pire à ce niveau-là. C'est-à-dire que peut-être, justement, au Moyen-Âge et autres, on a des fois peut-être cette idée que les choses étaient figées alors qu'elles n'étaient peut-être pas tant que ça. Alors qu'aujourd'hui, on est libre de passer ce qu'on veut, mais au fond, on est hyper formaté. Quoi. Même dans le barré. Le barré est formaté aujourd'hui. Regardez les Beatles, par exemple, pour reparler de la musique, même si vous n'oubliez pas parler du 20e siècle, mais.
il y a, on connaît plein de chansons des Beatles où ils se foutent de la gueule, quoi. De, je veux dire, par exemple, une chanson sur la marijuana où ils chantent Mary Jane, c'est sorti ce qu'on appelle maintenant un bootleg. C'est-à-dire que moi j'ai découvert le bootleg à une époque parce que j'avais un copain qui était secrétaire du fan club des Beatles. J'ai découvert ça, je ne le croyais pas, je ne pouvais pas écouter de la musique comme lui. Lui il avait toutes les versions de Sgt Pepper dans toutes les langues. Et son pied c'était voilà, il amenait les gens chez eux, chez lui, et puis il prenait un disque, il disait écoute ça, il faisait écouter 10 secondes. Après, il mettait un bon disque, écoute ça, John Lennon en train de se gratter le dos dans sa baignoire. Et ça aussi, c'est une forme, les bootlegs, on appelait ça, personne ne savait, ça n'existait pas que pour les collectionneurs, que pour les fêlés de musique. Quoi. Maintenant, c'est un truc qui se vend autant, parce que le temps a passé, qu'on a un recul dessus, et que maintenant, sûrement qu'un jour, il y aura les amorces de bandes de In a Silent Way, de Miles, puisque à l'époque lui il faisait tourner les magnétos 24/24, les types ils arrivaient, ils tournaient, ils faisaient tourner les magnétos. Une Silent Way, c'est juste un chinte avant, un chinte arrière. Peut-être qu'un jour il y a des mecs qui vont vendre ça. Le drame aujourd'hui, c'est que la musique elle se vend plus, elle est consommée gratuitement, donc ça c'est un peu un problème. On pourrait faire une soirée là-dessus, mais. Oui, pour en revenir au Moyen-Âge, parce que le retable de Narbonne qui a été restauré, là, on voit qu'il y a une grande liberté des sculpteurs, il y a de l'humour et tout ça. Et c'est vrai que je me pose la question, enfin, ça nous éloigne peut-être un peu de notre sujet, mais peut-être certainement d'une liberté au Moyen-Âge. Enfin, on voit ça comme une période un peu austère et tout ça, et j'ai l'impression qu'ils avaient une certaine liberté. En tous les cas, ils avaient une audace et tout ça. Enfin, je ne sais pas si tu... Sur la question de la liberté, c'est comme toujours, je pense qu'il y avait des libertés qui étaient encadrées, mais ce qui est sûr, c'est que dans le retable, qui est une œuvre du XIVe siècle, les sculpteurs expriment des choses absolument extraordinaires. Enfin, ils utilisent l'art pour porter en dérision la figure des puissants, la sensualité très présente, la violence, la souffrance. C'est vraiment typiquement médiéval. Après, est-ce que ça témoigne d'une liberté, je ne sais pas, mais en tout cas, d'une très grande vitalité, puis d'une telle maîtrise de l'art que l'art exprime la vie. Et d'ailleurs, on le perçoit encore comme ça aujourd'hui. On peut le ressentir aussi quand on va dans le trésor et qu'on voit des enluminures du XIVe siècle. On ressent encore ce naturalisme, ce goût pour les corps, pour les vêtements, etc. Après, est-ce qu'on peut en déduire que les gens étaient libres? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans leur art, ils ont fait passer du sensible, des choses très sensibles, et c'est vraiment palpable. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'ils étaient quand même obligés de s'appuyer sur les textes bibliques, sans trop s'en éloigner. Alors, au Moyen-Âge, toute image a une source textuelle. Voilà. C'est rarissime. Ou alors, si c'est les petites images en marge. Une image est faite pour illustrer quelque chose. D'ailleurs, les artistes sont payés par des gens, ils sont payés pour illustrer des faits de guerre, quand c'est de la peinture civile, et ils sont payés pour illustrer l'histoire sainte, quand ils sont payés par des prélats. Ça, l'image, à cette époque-là, n'a pas l'autonomie qu'elle va avoir un peu plus tard, à partir de la Renaissance. Elle s'appuie sur une source textuelle, à peu près toujours. Hein. De Chamois lit sa requête à Louis XIV pour créer l'Académie royale. Quand il parle des artisans, donc moi je suis pas tout d'accord avec lui, quand il parle des artisans peintres, des sculpteurs, avant donc que les artistes existent, il dit dans sa requête, libérez-nous de nos courroux. De nos courroux. Donc je ne crois pas qu'il y ait la liberté. Moi je parle de la liberté dans l'œuvre. Non mais il n'y a pas de liberté dans l'œuvre. Il faut revenir pour Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les artistes sont formatés, puisqu'ils ont dit, l'essentiel, c'est leur art. C'est pas l'histoire de l'art, c'est l'histoire des artistes. C'est pas la même chose. Et dans l'histoire des artistes, Bourdieu explique bien qu'on s'est battu pour échapper aux dogmes religieux. Et petit à petit, ce qu'on appelle le ciel, qui n'existait pas au départ dans la peinture,
parce qu'on ne pouvait pas représenter la divinité, elle est descendue dans le tableau pour arriver à l'art abstrait. Et c'est, ça a été une longue bagarre, c'était une bagarre pour les couleurs, c'était une bagarre pour plein de choses. Et tout ça est éludé dans les écoles d'art, où on nous apprend l'histoire des œuvres, l'histoire vue des historiens, et on ne nous apprend pas notre histoire à nous, qui est une histoire, une longue lutte pendant des siècles pour arriver à cette couleur. Oui, Bourdieu parle de transgression plus que de rupture. C'est-à-dire, ce sont des couches de transgression. Oui, mais moi non plus. Mais c'est la même chose. Quand je parlais de la grande fugue de Beethoven, il n'y a pas de rupture. C'est pas une anomalie de voir des choses qui sont différentes. Mais après, c'est, moi, ce qui m'interroge, c'est la cause de pourquoi on en arrive là. Après, l'histoire des artistes, l'histoire de l'art, c'est assez compliqué. Hein. L'histoire des artistes aujourd'hui, on pourra en parler plus que... plus qu'une nuit. Hein. Parce que qui aujourd'hui a les commandes enfin, moi je suis musicien, je commence à savoir comment ça se passe un tout petit peu. Qui, à chaque fois que je fais un disque, qui est aux commandes, c'est pas moi. Hein. Pour nous, oui, mais c'est important parce que qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester de moi ce que je peux proposer? C'est même pas ce que moi je propose qui va rester. C'est autre chose. Mais pour nous plasticiens, c'est pareil, c'est le problème du conservateur, donc je suis en fait un conservateur, mais le problème de l'artiste, le conservateur, le collectionneur, donc l'institution, un art institué, donc on ne va pas en débattre, parce qu'on peut en débattre pendant des heures, mais il y a quand même un problème énorme en 2016, et on a régressé sur les libertés par rapport au milieu du 20e, des années 50. Où, ça, c'est la faute des artistes. Non, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Même bon, moi j'étais vraiment petit au début des années 50, mais enfin, je suis né en 57. Donc, mais je pense, je me remets dans le contexte où j'ai commencé un petit. Bon, moi j'ai commencé la musique adolescent, hein, vers donc, plutôt fin des années 60. Et donc j'ai vraiment connu fin des années 60 et milieu des années 70. Et même en écoutant aujourd'hui et voir tout ce qui pouvait se passer, même si on prend dans des domaines plus populaire entre guillemets, par exemple de la musique pop, ou si vous imaginez ce que pouvait être un festival comme Woodstock à la fin des années 60, c'est quelque chose qui est totalement irréalisable aujourd'hui. C'est-à-dire que si on faisait ça, il y aurait l'armée autour. Quand on imagine qu'à l'époque on a mis 500 000 jeunes et qu'il n'y avait aucune organisation et qu'il n'y a pas eu ni de violence, ça paraît, aujourd'hui c'est des choses qui paraissent totalement, alors c'est, on est, comme vous le dites, hein, c'est milieu du, enfin milieu un petit peu après du post-deuxième guerre mondiale d'ailleurs, hein. Bon, il y a plein de choses qui... Mais ça paraît incroyable aujourd'hui. Et ce sont des espaces de liberté qui ont complètement disparu, quoi. Ça c'est sûr. C'est une liberté dans les arts plastiques qui a été gagnée, parce qu'elle existe. D'ailleurs, c'était Lou Ferry, comme je reconnais au moins cette honnêteté. D'avoir expliqué qu'avant Dada, par exemple, qui a... un des plus grands mouvements libertaires. Elle existe au XIXe siècle, tout un mouvement de la poème. Les arts intolérants, les buveurs d'eau, Alphonse Allais. Monsieur, s'il vous plaît, vous pourriez prendre le micro parce que nous n'entendons pas bien. Merci. Vous les connaissez? Oui, mais c'est passionnant. Ouais. Ça, les utistes. On peut en parler d'eux. Ouais, donc je parlais du 19e siècle, il y a tout un mouvement qui a fini par les arts incohérents. Il y a un artiste qui s'appelle Arthur Salpeck, qui avait fait la Joconde avec, en train de fumer la pipe. C'est ce qui permettra plus tard à Duchamp de faire sa Joconde qu'il a fait. Elle a chaud au cul. Elle a chaud au cul. Je voulais dire les... Elle a chaud aux ailes. Et avec sa moustache. Et toute cette bohème, ce qu'on appelle les mouvements de la bohème du 19e siècle, elle commençait vers les années 30, qui avait atteint son sommet dans les années 70, c'est-à-dire après la Commune de Paris, après cette déception et cette défaite, peut-être, après ça je ne sais pas si vous serez bien de le dire, il y a eu cette montée de liberté, cette demande de liberté, et qui s'est raffermée jusque dans les années 50 et 60, comme en France. Ni pas dans quel pays, parce que les peintres dits dégénérés, ils n'avaient pas de liberté, ils finissaient souvent même en prison. Hein. Non, mais ça, c'est sur l'Allemagne nazie.
C'est un moment bien précis. Je ne savais pas que ma conférence vous entraînerait sur des sujets aussi graves. C'est loin. Ça commençait par le plaisir, d'heure un petit peu légère. Ça finit avec le nazisme. Vous apportez votre conférence, vous parlez de la liberté. Quand même. Ah oui. Voilà. Donc on est artiste et on vous parle de notre liberté. Et vous êtes conservateur, donc voilà. Sur le, juste une chose aussi, moi, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, c'est, j'ai trouvé ça, depuis longtemps je suis passionné et de musique et d'art africain au sens large. Il y a une magnifique exposition en ce moment au musée Fabre. L'exposition C'est nous faux, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a une superbe affiche d'ailleurs d'un grand oiseau. C'est ce qui est. Je repense à ça parce que Thierry parlait aussi du statut de l'artiste, ce qu'on peut imaginer qu'était l'artiste au Moyen-Âge. Ce qui est intéressant aussi parce que c'est vraiment l'artiste dans sa forme occidentale. Mais bon, je suis allé plusieurs fois en Afrique, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et c'est vrai que pour la musique, c'est exactement la même chose. Alors bien sûr, il y a les familles, il y a les griots, etc. Mais il y a toujours un lien dans la vie sociale en permanence. C'est vrai si on prend en France, par exemple, en Occident en général, dans certains pays plus que dans d'autres. Et je pense que la France, à ce niveau-là, malheureusement, il y a peut-être un grand écart par rapport à ce que peut être la vie sociale de tous les jours et l'expression artistique. C'est vrai qu'il y a des objets absolument incroyablement beaux. Et quand on regarde, c'est un objet de la vie courante. Ça peut être le socle d'une charrue, ça peut être vraiment des choses qui sont des objets de la vie courante et qui deviennent à nos yeux des objets d'art qu'on va regarder dans un musée. C'est vrai que je trouve ça toujours assez fascinant. Parfois, ça met un petit peu mal à l'aise aussi, parce qu'on a l'impression d'être la vue occidentale, un petit peu de... Et ça rejoint aussi, dans cette exposition, je trouve que c'est fait de manière assez honnête aussi, et on le sait tous, comment cette forme d'art a pu influencer, et dans la musique aussi d'ailleurs, des grands artistes du début du fin du 19e et début du 20e. On l'a eu par exemple même Debussy, quand il a découvert à l'Expo Universelle à Paris pour la première fois, il a entendu les gamelans dans la musique javanaise et balinaise. Ça lui a inspiré des choses qu'il n'avait jamais entendues, et musicalement ça a influencé plein de gens. Et dans la forme plastique, ça a été la même chose, c'est à dire que quand on voit certaines de ses œuvres, on ne peut pas s'empêcher de penser à certaines œuvres qu'on connaît, de Picasso. Oui, bon, Picasso, les femmes chez voilà, Modigliani aussi. Enfin, il y a plein de choses dans le. Et je pense que c'est assez intéressant. Mais je vous conseille, si vous l'avez pas vue, c'est une expo qui est, je crois qu'elle va être jusqu'au mois de mars, donc pas très très longtemps encore. 14 mars. Vous êtes mieux informé que moi. Non mais allez-y, hein, c'est vraiment une très belle expo. On y va de ta part, Serge? Vous pouvez demander, ouais, on ne sait jamais. Peut-être vous aurez une petite réduction à l'entrée, mais je ne vous promets rien. Ils vont leur demander toutes les tarifs. Bon, je vous remercie, je dois rentrer. Oui. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Ah oui, à tous. Bravo à vous deux, merci beaucoup.